リンクスタート。Salut les BG, c'est votre grand vizir, expert du métaverse, mais surtout du métaverse. Votre illustre expert en Oculus Quest 2 a été contacté par les développeurs de Zenith pour avoir un accès en avant-première mondiale. Oui, 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 votre référent français VR numéro 1 était sur la piste. Donc, ce qui va se passer, si tu es ici avec moi, c'est probablement parce que tu te poses la question suivante. Est-ce que le jeu est bien? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce que le studio Ramen porte effectivement bien son nom puisque c'est ce que tu vas devoir bouffer jusqu'à la fin du mois afin d'assumer l'achat de ce jeu vidéo? Est-ce que je devrais lâcher ma thune? Et ce, dès le premier jour, histoire d'en profiter. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur... Zenith, un jeu comme SAO. Commençons par le début. Ramen VR, qui c'est? C'est un studio de jeux vidéo fondé à San Francisco en 2015 par Andy Tsen et Lorraine Frazier. Lorraine, c'est une femme de talent. Elle avait déjà pour habitude d'être ingénieure et a bossé pour des logiciels comme Unity ou encore Google. Et Andy, c'est le fondateur de Tribe VR, à l'origine du jeu du même nom, Tribe XR DJ, donc un simulateur de DJ super bien fait. Ou encore Conjure Strike, une espèce d'Overwatch VR. Et ces deux personnes, étant totalement des weebs vu le nom du studio, ont décidé de lancer un Kickstarter. Parce que Zenith, à la base, c'est un Kickstarter. Qui ressemblait d'ailleurs à l'époque pas du tout à ce que vous voyez aujourd'hui. Leur intention est claire. C'est deux gros fans d'anime et de jeux vidéo qui veulent tout simplement créer le nouveau MMORPG qui sera en VR. Ils ont déjà bien avancé sur le projet, c'est pourquoi ils ont aussi bien réussi à le présenter en Kickstarter, et la sauce a directement pris. Mais genre directement pris en mode 3415 contributeurs qui ont engagé pas moins de 280 075 $. Voyant que la communauté était extrêmement emballée à l'idée d'avoir un nouveau MMO développé par des personnes ultra motivées, et surtout à l'écoute de la communauté puisque chacune de leurs modifications, évolutions du jeu va être basée sur les retours directs des joueurs, de gros investisseurs ont décidé d'ajouter leur main à la pâte. Montant ainsi la levée de fonds à pas moins de 10 millions pour pouvoir poursuivre le développement du MMORPG VR Zenith The Last City. Et si je te raconte tout ça, c'est pas juste pour flexer sur les chiffres comme le ferait la télé habituellement. Si je te raconte ça, c'est vraiment pour te dire que aujourd'hui, ma critique va se faire par rapport à un studio indé qui met son cœur à l'ouvrage, et l'analyser comme un studio AAA n'aurait donc aucun sens. Comme dans tout bon MMORPG qui se respecte, on commence donc par la création de son personnage. Et ici, on a énormément de diversité en termes de couleurs, que ce soit pour la couleur de peau, couleur de cheveux, ce qui montre clairement une volonté et une proposition des développeurs de customisation totale, mais paradoxalement, il n'y a pas tant de choix différents que ça quand il s'agit des traits de visage comme le nez, les yeux, etc. C'est vraiment l'ensemble du visage qui va être choisi directement et on ne peut pas aller dans le détail. Après, ça ne me dérange pas plus que ça parce que je n'ai pas croisé deux fois les mêmes personnes, j'ai pas croisé deux clones parfaitement identiques dans les joueurs. Et comme Zenith en plus nous a fait la promesse d'être un jeu parfaitement free-to-play, je sais très bien qu'à l'avenir il va y avoir des créations, des customisations et l'ajout de tous ces petits détails au fur et à mesure que le jeu avancera dans le temps. Pour le choix des classes, même constat, on commence très simplement, soit attaquant au corps à corps, soit attaquant à distance. Donc, on a le choix entre un épéiste ou un sorcier. Et ensuite, en spécialisation de ces deux grandes classes, t'as le choix entre faire du dégât, faire du soutien, ou bien être un tank et être capable d'encaisser absolument tout. C'est simple, accessible, et ça permet tout de suite de mettre en place dans l'esprit des joueurs qu'un groupe complet se compose de 3 personnes, un DPS, un tank et un perso soutien. J'ai testé les deux classes, et ce qui est vraiment génial, c'est que le style de gameplay change du tout au tout d'une classe à l'autre. Les sensations que vous aurez avec deux épées n'a rien à voir avec le mage qui permet de tirer des blasters à distance. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette idée d'avoir fait un peu un mage du futur. J'ai plus préféré d'ailleurs jouer en mage, parce que je sais pas, il y avait un petit côté un peu Deadpool, shooter sympa. Et encore une fois, je m'inquiète pas plus que ça sur le fait qu'il n'y ait que seulement deux classes pour l'instant, parce qu'il y a déjà des rumeurs comme quoi une autre classe sera en préparation selon les joueurs, et vu que c'est un MMORPG, je ne m'inquiète pas de voir ça dans des ajouts de futures mises à jour. Je pense même au contraire que c'est très bien de commencer très très simple, très basique, pour venir enrichir le jeu au fur et à mesure. Ça fera des mises à jour intéressantes, et surtout qui donneront une bonne raison de revenir sur le jeu régulièrement. Tout de suite après avoir choisi le nom de votre futur aventurier, le jeu vous propose d'adapter les systèmes de déplacement dépendamment de votre sensibilité. Donc toutes les personnes qui auraient peur que ce jeu soit nauséeux, moi j'ai utilisé la fonction la plus entre guillemets violente des deux,
et je l'ai incroyablement bien vécu, c'était très doux, c'était très agréable, j'ai pas eu d'envie de gerber ni quoi que ce soit. Donc je pense que la version douce, elle est encore plus adaptée aux personnes qui seraient un peu plus sensibles. Et là c'était le dernier choix à valider, et maintenant vous êtes officiellement lancé dans le monde de Zenith. Et je vais pas vous mentir, quand je suis arrivé dans cette zone, très futuristique, très sombre, je vous mentirais si je vous disais que j'ai été agréablement surpris. Au début, visuellement, j'étais là en mode « Ah, c'est vachement sombre, ça me dérange un peu, je trouve pas ça spécialement beau ». Après, faut garder à l'esprit que le jeu de juste avant, je sortais d'un jeu qui techniquement poussait vraiment tout au maximum. Et je pense que ça aussi, ça joue sur le fait que j'avais des attentes très élevées. Mais pour autant, c'était pas forcément un point négatif, dans le sens où j'ai pas eu la claque « Waouh » que je m'attendais tout de suite, parce que la zone de début, elle est vraiment très très sombre. Mais pour autant, je me suis senti intuitivement impliqué directement. La petite intelligence artificielle m'a parlé, et c'est ça que j'ai apprécié en fait, c'est que les choses se sont faites naturellement. Tout de suite, je sais où est-ce que je dois aller, je vois où sont les objectifs. Je suis bien pris par la main, c'est agréable. Et c'est ça qui permet de lâcher prise dans le jeu. C'est des petits détails comme par exemple, le fait de devoir faire coucou aux personnages non jouables afin que ces derniers lancent une conversation. C'est le plaisir que vous allez ressentir, cette sensation de liberté dès l'instant où vous allez quitter le tutoriel et rentrer dans le vrai monde. Et quand je suis rentré dans le vrai monde, là j'ai eu la claque de waouh à laquelle je m'attendais en premier lieu. Là, je suis arrivé dans un monde qui était beau, coloré, doux, pastel, avec un petit côté bleu-rose que j'adore. Un côté qui mélange animé, cartoon, et en même temps jeu vidéo, futuriste. Le cocktail visuellement marche très très bien. Et pourtant, ça change radicalement des premiers trailers qu'on a vus dans le Kickstarter, qui montraient quelque chose de plus froid en termes de couleurs, quelque chose de plus urbain, de plus acier visuellement. Là, la sensation qui se dégage de Zenith, c'est que c'est chaleureux, c'est bienveillant, c'est agréable. Et en fait, ça aide à lâcher prise et ça aide à se sentir bien. Petit à petit, je me familiarise au fur et à mesure avec les différents systèmes de navigation, comme par exemple la petite boussole qui te permet de savoir dans quelle direction sont les quêtes. Je prends conscience également de ma barre de vie, de mon inventaire, de mon système d'inventaire rapide et de ma barre de magie. Et tout ça, ça se fait naturellement. Je me pose pas de questions, j'ai pas spécialement besoin de lire. Juste, je le découvre et je le comprends. Et je pense que c'est ça qui fait toute la puissance de Zenith et qui fait tout le potentiel de Zenith. C'est que pour la première fois dans un jeu VR, je me suis senti libre. Libre d'explorer le monde dans le sens que je le voulais. Libre d'escalader un rocher pour aller en direction d'une quête qui m'intéressait. En fait, tu vas volontairement te perdre dans cet univers qui est magique et en même temps, t'es jamais vraiment perdu puisque si tu sais plus quoi faire, tu lèves la tête vers le ciel et tu vois des faisceaux lumineux qui t'indiquent concrètement où sont les quêtes que tu dois accomplir, vers où est-ce que tu dois aller. Je pensais sincèrement que le MMORPG comme je l'ai connu, c'est-à-dire à la manière de World of Warcraft, Lineage 2, Ion, Dofus, ce genre de jeu, je pensais sincèrement que le MMORPG était en train de mourir. Parce que plus personne ne consomme ce genre de jeu de la manière dont il devrait être consommé. À la base, moi personnellement, quand j'ai lancé ces jeux-là, c'était pour pouvoir justement créer du lien social. Le jeu finalement était un prétexte pour pouvoir rencontrer des gens. Et petit à petit, en fait, à force de s'habituer à jouer à des MMORPG sur écran, t'as tendance à t'enfermer dans des dialogues liés à ta guilde, ou t'enfermer à des dialogues via Discord, via tes potes. En fait, tu vas rencontrer un noyau de personnes, puis tu vas très vite t'enfermer sur ce noyau de personnes et tu vas plus jamais faire de rencontres. Et l'expérience que j'ai eue avec Zenith, elle vient casser tout ça. Et c'est ça qui me fait dire que je pense sincèrement que Zenith peut être la renaissance du MMORPG. Parce que le MMORPG prend tout son sens en VR. Hey yo! Yo! Hey yo! Yo! Comme par défaut, vous avez un système vocal qui est activé et intégré avec le casque. Il y a des moments où j'étais en train de galérer à savoir comment est-ce que je fais tel truc, etc. Et bien naturellement, en fait, les autres personnes vous entendent et vous proposent leur aide, créant ainsi, en fait, des situations propices à un engagement social. Et c'est pour moi ça l'essence même du MMORPG. Mon aventure, je l'ai kiffée, non pas parce que j'ai suivi le tuto et j'ai écouté ce que l'intelligence artificielle m'a dit. Mon expérience, je l'ai kiffée parce que il y a un truc, je savais pas comment le faire. Je tournais la tête, je voyais quelqu'un, je lui demandais et il m'expliquait. En fait, j'ai kiffé jouer à ce jeu vidéo parce que je ne jouais pas à un jeu vidéo. Juste, j'étais avec des gens que je connaissais pas plus que ça, mais qui potentiellement sont des gens bienveillants qui peuvent m'aider, et qui le font de bon cœur, parce qu'en fait c'est juste une zone qui regroupe que des passionnés, et qui font que tu vas passer un bon moment en fait. J'ai vu des gens qui attendaient dans des lieux où on peut faire de la cuisine, pour justement voir comment est-ce que les débutants allaient se débrouiller, et pour leur donner des conseils de cuisine, ce genre de choses. Ces mêmes passionnés qui se faisaient un réel plaisir à expliquer aux nouveaux venus les mécaniques de combat caché, comme par exemple la possibilité de viser des points rouges afin de créer des attaques en coup critique, et donc des attaques infligeant ainsi des dégâts beaucoup plus puissants. Et au-delà de ça, si on s'attarde sur les capacités techniques du jeu, le tracking est fabuleux, ça fonctionne à merveille. J'ai pas eu de problème de synchronisation, j'ai pas eu des bras qui partaient dans tous les sens, j'ai pu grimper sur n'importe quel élément sans souci,
Alors après, je vous mentirais si je vous disais que le jeu est parfait, et qu'il est parfaitement développé. C'est pas le cas. Je me suis retrouvé dans des bugs et j'ai glissé sous la map. Évidemment, oui, c'est arrivé. Mais dans un MMORPG qui est en train d'être créé, en fait, c'est chose commune, et ça vient pas détériorer l'expérience de jeu dans le sens où c'est des bugs que j'ai rencontrés parce que j'ai volontairement voulu jouer avec les limites de la carte. Et ça, c'est qu'une question de temps pour que ce soit corrigé, en fait. Tant que ces bugs-là ne viennent pas interférer directement avec l'expérience de jeu, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est présent, c'est vrai, mais c'est pas un problème en soi. Toutes les mécaniques de jeu proposées dans Zenith sont intuitives et agréables à faire. Vous avez évidemment votre quête principale que vous allez suivre. À ça, petit à petit, des quêtes secondaires vont s'ajouter. Et en parallèle de tout ça, vous avez des quêtes événementielles qui sont indiquées sur votre carte et qui vous permettent, encore une fois, d'avoir une raison de vous regrouper avec des gens que vous connaissez pas pour pouvoir vous amuser ensemble et vous éclater ensemble. Et ça peut amener à des situations et des moments vraiment très très cool. La carte étant littéralement immense, l'ajout de déplacement rapide, c'est vraiment appréciable, mais j'ai pas pu m'empêcher que d'avoir envie de me balader un petit peu partout. Et je me suis très vite retrouvé en dehors de la zone de laquelle j'étais censé être. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une zone où j'avais pas le niveau. Je suis arrivé à l'entrée d'une grotte, et j'ai eu une des meilleures expériences possibles que j'ai eues en MMORPG depuis des années. Je suis tombé sur un mec qui attendait pour pouvoir rentrer dans le donjon, et il m'a proposé de l'accompagner. J'avais pas spécialement de quête, mais je me suis dit ok, pourquoi pas. Et à partir de là, on a commencé à discuter, on a attendu une troisième personne, et ça s'est très vite transformé en une promenade entre un Français, un Allemand et un Polonais. Et juste, on a discuté, et on tuait des monstres en même temps, et c'était agréable, c'était un petit moment de vie, un petit moment de partage. D'ailleurs, le Polonais a eu un problème de batterie, et on est devenu ses gardes du corps pendant l'espace de 15-20 minutes, et c'est limite si j'étais pas plus amusé par le fait de faire semblant d'être son garde du corps, et de ne rien faire pendant 10 minutes, plutôt que de vraiment jouer au jeu. Parce qu'en fait, ton implication dans ce monde virtuel est tellement forte que tu vas naturellement faire du roleplay, tu vas naturellement faire du théâtre, tu vas naturellement jouer ton rôle en fait, sans que ce soit cringe, sans que ce soit bizarre, sans que ce soit malaisant. C'est vraiment juste des bons moments avec des bons copains, tu vois, ou des potentiels futurs bons copains. Il y a un truc qui me faisait peur, c'était vis-à-vis de la gestion des sorts. J'avais peur que ce soit pas intuitif ou ce genre de truc. Et en fait, pas du tout. Devoir tendre le bras pour charger son sort magique et le lancer en le déclenchant, en donnant une impulsion vers le bas, en fait, c'est un mouvement qui paraît naturel et qui, du coup, renforce l'immersion et renforce cette sensation de puissance et de pouvoir. J'ai jamais autant kiffé lancer des sorts de soins. Je me sentais comme le roi du monde, tu vois. Et au fur et à mesure que tu vas débloquer de nouveaux sorts, tous les autres gestes vont s'apprendre et vont se faire aussi naturellement. Tu vas assimiler les mécaniques de gameplay vraiment, vraiment très rapidement. Et moi, en l'espace de 5 minutes, j'arrivais naturellement à faire des trucs vraiment cool, comme par exemple de tirer avec mes blasters, de déclencher un sort de glace, de prendre une boule de soin pour la lancer sur l'allié sur mon côté, puis reprendre mes flingues et retirer sur les monstres. Ça devient de plus en plus jouissif et de plus en plus agréable. Alors, évidemment, il y a un côté répétitif. Mais c'est un petit peu la fondation même du MMORPG. Le principe d'un MMORPG, c'est de faire des quêtes journalières, c'est de faire des quêtes où tu dois aller d'un point A à un point B, c'est de faire de la récolte, c'est de faire ce genre de choses. Donc, il y a forcément de la répétition. Mais les gens qui viennent chercher ça dans un MMORPG savent à quoi s'attendre. Et c'est pas désagréable, au contraire. En fait, ça permet même d'avoir un terrain sur lequel vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que, une fois que vous savez comment fonctionnent les quêtes, vous pouvez les faire sans trop réfléchir, et du coup c'est l'occasion de discuter et rencontrer des gens en même temps. D'ailleurs, le système de menu est vachement bien fait. Il est bien organisé, bien classé, bien rangé, et il est déjà très complet. Vous avez un système d'équipement, et de ce que j'ai compris, il y a l'air d'avoir l'équipement que vous portez, mais aussi d'équipement esthétique. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un équipement entier qui vous donne, admettons, je sais pas, plus 50 d'attaque, mais visuellement, avoir un costume de Noël par-dessus. Donc c'est-à-dire, vous pouvez garder les propriétés de l'équipement qui vous intéresse, tout en affichant et en customisant l'aspect esthétique de votre avatar de la manière dont vous le désirez. Évidemment, comme dans tout MMORPG, vous avez un système monétaire. Les objets que vous allez ramasser peuvent vous servir pour faire la cuisine et créer de la nourriture qui vous donnera une amélioration au niveau de vos statistiques. Par exemple, si vous créez un cookie, et ben vous allez pouvoir avoir un bonus d'endurance, de vitesse, d'attaque, etc. J'ai l'impression également que vous avez un système de runes. Vous pouvez équiper des espèces de runes des âmes pour améliorer la puissance de certains morceaux de vos équipements. Et pour ce qui est des classes, j'ai aussi l'impression que vous pouvez switcher de spécialisation même dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un bouton de réinitialisation pour si par exemple vous voulez switcher entre DPS, soutien ou tank. Donc à savoir si par exemple vous avez besoin de faire plus de dégâts, plus de soins, ou si vous avez besoin de plus de résistance. Et ça c'est super cool, parce que ça va vous permettre d'adapter votre personnage dépendamment de l'équipe que vous avez. Ou tout simplement pour pouvoir essayer des classes que vous n'avez encore jamais essayées. À chaque fois de ce que je vois en fait dans les mécaniques, Zenith c'est un petit peu l'héritage de tout ce que les MMORPG ont déjà fait,
ça prend le meilleur de ce qui existe, ça le simplifie, et ça permet comme ça de garder l'essence même de ce qu'est un MMORPG, mais en l'actualisant et en le simplifiant pour le rendre beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de joueurs. Si vous n'avez jamais joué à un MMORPG, je pense sincèrement que Zenith c'est super cool et que ça peut être un très 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 bon point de départ. Quand vous aurez suffisamment monté de niveau, un peu plus tard dans l'aventure, vous débloquerez aussi un pouvoir ultime, qui se déclenche tout aussi naturellement, et qui vient du coup complexifier et enrichir le système de sorts dont vous disposiez à la base. Dans la gestion de ton inventaire, dans les menus, ce que j'ai bien kiffé aussi, c'est que ils ont fusionné ce qu'à l'époque on avait en principe de récip et les objets qu'on collecte. C'est-à-dire que si par exemple vous passez votre journée à ramasser des petites plantes ou des petites fleurs sur le sol, ce que vous pouvez vraiment faire, hein, et j'ai d'ailleurs paradoxalement pris un plaisir monstre à faire ma petite journée ferme, ma petite journée agriculture, et ben vous n'avez pas besoin d'aller dans un menu spécifique pour savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ces trucs-là. Vous ouvrez votre menu, vous sélectionnez les objets que vous avez ramassés, et il vous montre tout de suite comment est-ce que vous pouvez les cuisiner pour en faire quelque chose, et à quoi ça sert, et quelles sont les propriétés que ça va donner. Et d'ailleurs, la variété des ressources collectables, elle est vraiment monstrueuse. Vous avez des pommes, des poires, des ananas, etc. Et devoir escalader dans les arbres et crapahuter comme un macaque pour aller récupérer des pommes, et ben ça peut paraître con, mais c'est drôle à faire. C'est vraiment drôle à faire. C'est la première fois que des quêtes de métier, qui d'habitude sont des trucs assez répétitifs et assez chiants à faire, bah, je me suis vraiment surpris à être comme un gamin et m'amuser à le faire en fait. Dans les menus, vous avez aussi un système social, donc pour pouvoir ajouter des gens en amis, ou tout simplement si vous voulez créer un groupe d'aventuriers. Et la manière de le faire dans le jeu, d'ailleurs, est assez naturelle et rigolote. Vous avez juste à pointer du doigt quelqu'un comme si vous faisiez un pistolet avec votre main, et en faisant ça, vous allez pouvoir accéder aux informations et l'ajouter en amis, ou tout simplement l'ajouter au groupe pour pouvoir aller faire du donjon. J'ai vu aussi qu'il y avait un système de création de guildes. J'ai évidemment créé la mienne, pour la team Vroket. Encore et toujours dans notre habitude de domination du monde, et dans laquelle bien sûr vous n'êtes pas les bienvenus, n'allez pas squatter mon Discord. Alors j'ai pas pu voir en détail comment se gérer la gestion de la guilde, parce que dans la version bêta, c'était limité dans la gestion, mais je pense, et je suppose, qu'il y aura un système de coffre de guilde, de partage de ressources, etc., propre à tout MMORPG. Vous avez aussi un menu de gestion des quêtes, mais je vous avoue que je m'en suis très peu servi, parce que le système de rappel de quêtes rapides intégré avec votre boussole, il est tellement intelligemment intégré que j'ai pas eu besoin de me servir de ce menu là. Et les derniers menus, c'est du calibrage, si jamais vous avez une envie de vomir, ce genre de choses, c'est pour gérer toute la partie confort ou la gestion audio, etc, etc, j'en passe. Donc voilà, si je devais conclure sur ce titre, je vous dirais que en y jouant, j'ai ressenti énormément d'influences et des bonnes influences. À chaque fois, j'ai ressenti qu'on a pris le meilleur de chacun des jeux que je vais citer. J'ai ressenti du World of Warcraft pour la gestion des quêtes, pour le côté un peu violet à la Draenei, cette ambiance très pastel. J'ai ressenti du Sword Art Online, très clairement. Il y a de l'ambiance animée, il y a de la référence. On sent que ça a été créé par des fans d'animé, des fans de SAO, des fans de... En fait, il y a plein de références culturelles mixées qui fait qu'on arrive dans un jeu où on n'a pas de paire de repères, en fait. J'ai ressenti aussi du Genshin Impact, pour le côté explorer des plaines, se balader, se promener dans des beaux paysages. Et surtout, sur la bande-son qui est incroyable. Non mais écoutez-moi ça. Elle est juste divine, elle est vraiment, vraiment divine. Elle a un côté un peu lofi, très, très doux, très, très fantasy, qui marche totalement avec l'univers dans lequel on est. Et j'ai beaucoup axé sur la partie sociale et sur la partie communication, mais vous avez dans les menus un système en accès rapide pour couper votre micro ou couper votre micro-casque entier si vous voulez jouer uniquement tout seul. Donc sachez que c'est réalisable et que ça va pas vous limiter dans le fait de jouer à ce jeu-là. Il m'est arrivé, pendant des périodes, de rejoindre des groupes qui étaient déjà en discussion, et juste les écouter. En fait, ça ouvre vraiment à l'intégration dans le sens où ça vous n'êtes pas obligé d'interagir, mais ça vous donne une porte d'accès et vous pouvez juste être là, juste participer, juste être là en fait. Et si vous n'avez aucun moyen de communication, en fait le système de tracking fait que vous pouvez faire des gestes, faire des signes et vous faire comprendre sans avoir même besoin de décrocher un seul mot. Et c'est ça qui met aussi à l'aise, qui met en confiance et qui fait qu'on passe un bon moment. Zenith, pour moi, c'est peut-être pas le plus beau jeu du monde, c'est peut-être pas le jeu le mieux développé, mais en fait, ça reste une des meilleures expériences que j'ai faites, et je pense que ça va être que de mieux en mieux. Et encore une fois, il faut prendre le jeu pour ce qu'il est. C'est des passionnés qui font ça, c'est des indés. Vous pouvez pas vous attendre à un triple A, c'est pas possible en fait. Et encore une fois, les bugs que j'ai vus sont tellement minimes par rapport à la qualité d'expérience de jeu que j'ai eue, que ça vaut largement le coup de l'acheter. Et je pense que ça vaut encore plus le coup de l'acheter au début, parce que comme ça vous aurez une espèce de jungle de joueurs avec lesquels vous allez pouvoir délirer, vous taper des barres et passer des bons moments. Et ça peut donner lieu à des situations vraiment vraiment cool. Et donc oui, pour moi, ce jeu, c'est clairement un... Je l'ai clairement vécu comme un SAO. Je l'ai vraiment vécu comme un Sword Art Online.
J'avais l'impression d'être là-bas, d'être dans ces terres, de me balader, d'accéder à une verticalité, parce que j'ai pas parlé aussi non plus des systèmes de tyroliennes, mais, et le fait qu'on puisse planer. Mais le jeu emprunte énormément à des mécaniques proches de Zelda Breath of the Wild. Et si vous avez aimé ce côté-là dans Zelda, de pouvoir faire ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez, sans vous poser de questions, vous balader dans un univers fou, bah dans ce cas-là, Zenith, c'est fait pour vous. Ça se sent que c'est un jeu qui a été fait par des fans avec le cœur et pour des fans. Y a aucun doute là-dessus. Quoi qu'il en soit, c'était votre grand vizir. Comme d'habitude, pas de pouce bleu, pas de like, pas ce genre de choses, je n'en ai pas besoin. Votre expert du métaverse, mais surtout du métaverse, vous aura parlé à cœur ouvert. Et pour combler toute cette beauté, toute cette miellerie, on va terminer sur un son qui est à l'image de ce que crie mon cœur à chaque fois que vous vous abonnez. C'était votre grand vizir. À plus dans une prochaine vidéo.